Voilà, à nouveau, merci d'être présent. Dernière session de cette demi-journée avec Serge Tisseron et Serge Soudoplatov, donc en webconférence. Je vais donner la parole à Christian Ponsol, qui est le directeur adjoint ou vice-président directeur général adjoint. Allez, vous avez le dire, peu importe. En tout cas, le numéro 2 de la MAIF. Je vous ai dit en début d'après-midi que la MAIF était un partenaire essentiel, qu'on a beaucoup de projets de communication, de conférences, de cycles de conférences et de travaux, y compris documents que la PPEA va engager pour diffuser un certain nombre de choses autour, bien entendu, du numérique, mais aussi un cycle de conférences sur les troubles d'apprentissage conduit par Léonard Van Hetzel, et on va avoir là des propositions de conférences dans l'ensemble des départements sur un certain nombre de thématiques qui concernent bien entendu l'enfance. Voilà, Christian Ponsol. Merci Robert. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En ma qualité d'administrateur délégué à la Direction Générale de la MAIF, je voudrais vous dire combien je suis heureux d'être ce soir présent aux côtés de la PPEA. Je sais la volonté, l'énergie, les engagements qu'il aura fallu jusqu'au dernier moment pour que le colloque sur les enfants mutants et la révolution numérique ouvre ses portes et accueille les éminents spécialistes que vous êtes pour réfléchir à un sujet de société, d'actualité d'une grande acuité. Je tiens tout d'abord à remercier le bureau et le conseil d'administration de la PPEA et en particulier son président, Georges Cognet, son vice-président, Robert Voyazopoulos, sa secrétaire générale, Mélanie Dupont, et un administrateur que nous connaissons bien à la MAIF, Léonard Van Hetzel. En effet, nous avons des liens anciens avec la PPEA, puisque depuis à peu près 3 ans, nous constatons avec un plaisir toujours croissant les proximités qui nous unissent dès lors que nous nous engageons, que nous discutons et que nous réfléchissons autour de l'éducation et du développement de l'enfant. Depuis notre première conférence commune en 2010 sur les troubles de l'apprentissage, bien des travaux ont été amorcés qui se poursuivent ce soir à travers cette table ronde consacrée au numérique et à son impact sur l'éducation des enfants et des jeunes. À côté des spécialistes que vous êtes, nous avons convié nos sociétaires à nous rejoindre. Ils nous font le plaisir d'être avec nous ce soir. Je tiens à les en remercier. Il faut que vous sachiez, et le sujet s'y prête bien, Robert en a parlé à l'instant, que cette conférence est filmée et qu'elle sera mise librement à disposition sur les réseaux sociaux afin que la réflexion et les débats se poursuivent hors de ces lieux et au-delà de ce moment. Cette conférence s'inscrit aussi dans un bouquet de webconférences dont la première s'est tenue le 18 septembre dernier et à laquelle Serge Tisseron, qui est avec nous ce soir, avait déjà accepté de participer. Serge, on ne vous présente plus. Vous êtes psychiatre, directeur de recherche à l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, considéré comme un précurseur en matière de travaux de recherche sur les écrans et sur le numérique. Vous avez été co-auteur de l'avis de l'Académie des sciences sur l'enfant et les écrans et vous êtes l'instigateur de la campagne sur la règle 3, 6, 9, 12 dont l'actualité récente s'est fait l'écho. Vous nous parlerez ce soir de la place que les nouvelles technologies prennent dans l'éducation de nos enfants. Serge Soudoplatov, vous êtes polytechnicien, enseignant à l'École européenne de management et à l'éthique, l'École des métiers de l'Internet, auteur et conférencier spécialiste d'Internet, des mondes numériques et virtuels. Depuis 2 ans déjà, vous conduisez pour les sociétaires de la MAIF un cycle de conférences sur le thème « Internet, quelle révolution ?». Ce soir, vous nous parlerez notamment des impacts qu'engendre Internet sur nos modes de pensée et sur le secteur de l'éducation. Je ne vais pas être plus long. Au nom de la MAIF et de la PPEA, merci d'avance pour vos interventions, messieurs. Et à vous tous, je vous souhaite une excellente conférence.
Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Merci de cette présentation. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Alors, merci de rester, hein, malgré la fatigue et l'heure avancée. Alors, je vais m'aider dans ce que je vais vous dire d'un PowerPoint. Il va y avoir beaucoup de choses sur ces images que je ne vais pas forcément reprendre parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais vous dire d'autres choses en plus, mais en tout cas, sachez que ces PowerPoints sont toujours disponibles, donc vous pouvez les récupérer sur Internet et les consulter. Alors, je voudrais attirer votre attention sur le fait qui a d'ailleurs été déjà souligné, que d'un côté, les technologies numériques ne font que confronter les parents à des responsabilités qu'ils ont toujours eues, à savoir faire en sorte que leurs enfants soient capables de s'auto-guider et de s'auto-protéger dans le monde. Simplement, il s'y ajoute le fait que leurs enfants soient capables de s'auto-protéger et de s'auto-guider, pas seulement dans le monde concret, physique, mais aussi dans le monde des écrans. En revanche, les technologies numériques apportent quelque chose de radicalement nouveau, à mon avis, dans la responsabilité des parents, c'est qu'il faut que les parents acceptent que les enfants, avec ces technologies, soient capables de faire des choses que les parents n'avaient pas prévues et qu'ils soient capables, hein, quand même, de renouveler le monde d'une manière encore imprévisible. Et donc, pour arriver à accomplir cette double tâche, hein, qui on pourrait dire impossible, il faut comprendre que la culture, que la grande révolution que nous sommes en train de vivre est une révolution qui était nécessaire. C'est-à-dire que depuis l'invention de l'imprimerie, nous vivions avec la culture du livre comme les poissons vivent dans l'eau, sans s'apercevoir qu'ils vivent dans l'eau. Et tout d'un coup, avec l'éruption du numérique, qui est l'existence d'écrans interactifs, hein, eh bien, nous découvrons qu'il y a d'autres manières de penser, de sentir, de communiquer, mais il faut comprendre que l'être humain a inventé ces nouvelles technologies, pas du tout pour effacer tout ce qu'il y avait avant, mais parce qu'avec l'ancienne culture du livre, l'être humain prenait en relais certaines capacités mentales, certaines capacités psychiques, mais pas toutes ces capacités mentales, pas toutes ces capacités psychiques, et c'est ça que l'invention du numérique est en train de réaliser, la possibilité pour nos enfants et pour nous, on pourrait dire, de marcher sur nos deux jambes, c'est-à-dire d'utiliser à la fois les acquis de la culture du livre, on va voir ce que c'est, et les acquis de la culture numérique. Alors, ces révolutions en cours, hein, Madame la Défenseure des Enfants vous en a parlé ce matin, elle les a citées, révolution dans la relation au savoir, dans la relation aux apprentissages, dans le fonctionnement psychique, dans la relation aux liens, la constitution des liens et la sociabilité. Je vais vous en dire quelques mots, et puis ensuite on verra quelles conséquences ça a, justement, pour l'organisation de la vie familiale et les responsabilités parentales. Alors d'abord, une révolution dans la relation au savoir. Pour la comprendre, rappelez-vous toujours une chose simple. Qu'est-ce que c'est cette révolution dans la relation au savoir? Mais c'est simplement le fait qu'avec les technologies numériques, je ne suis plus dans la posture où je suis quand je lis un livre. Parce que comme je viens de vous le dire, quand je lis un livre, je lis mon livre. C'est-à-dire que je suis tout seul devant mon livre, j'aime pas que quelqu'un se penche par-dessus mon épaule pour lire en même temps que moi. J'en lis qu'un seul à la fois. On a beau dire que les adolescents sont multitâches, il viendra l'idée de personne de dire la preuve qu'ils sont multitâches, c'est qu'ils lisent plusieurs livres à la fois. On est seul à lire son livre, on lit un livre à la fois, et le livre en général a été écrit par un auteur. Bien, c'est ça que la révolution numérique est en train de casser, puisque avec les écrans, eh bien, on est plusieurs face à un seul écran, même si on est seul chez soi, on sait toujours que d'autres sont en train de regarder les mêmes programmes que nous au même moment. Ces écrans sont en général, contiennent des programmes qui ont été fabriqués par plusieurs personnes, donc la création aussi est collective. Et puis souvent, mon écran est divisé en plusieurs sous-écrans, et tout le monde sait bien que l'adolescent aime bien diviser son écran d'ordinateur en deux, moitié un jeu vidéo souvent, et moitié un réseau social. Et donc du coup, on passe d'une culture de l'un à une culture du multiple, et la conséquence, évidemment, c'est que la constitution des savoirs ne va plus se faire sur un mode vertical, comme traditionnellement, mais sur un mode horizontal. Et vous voyez évidemment, sans que j'aille plus loin pour l'instant, que dans la vie familiale et dans la vie scolaire, ça va changer beaucoup, parce qu'aujourd'hui, les enfants demandent que ceux qui prétendent leur transmettre un savoir fassent la preuve qu'ils ont cette compétence, et puis surtout, soient capables de se soumettre à l'avis éventuellement contraire de pairs, P-A-I-R-S, rencontrés sur Internet, et qui peuvent aussi faire valoir d'autres opinions. Donc aujourd'hui, le modèle de la construction des savoirs, ce n'est plus un modèle vertical, hein, c'est un modèle horizontal, c'est le modèle Wikipédia, et on verra pour les familles quelles conséquences.
révolution dans la relation aux apprentissages, c'est ce qui est le plus spectaculaire, hein, avec la culture traditionnelle, la culture du livre, nous avons appris à faire fonctionner une intelligence que les neuroscientifiques appellent linéaire ou encore cristallisée, parce que c'est une intelligence qui fonctionne selon le modèle de la chaîne linguistique, c'est-à-dire que quand on parle, quand on lit un livre, quand on écrit, c'est comme si on avait un petit ruban, hein, qui défilait devant nous, on aligne des lettres, ces lettres constituent des mots, ces mots constituent des phrases et ainsi de suite. Donc c'est linéaire et c'est cristallisé parce que chaque lettre est comme un petit cristal qui, en s'assemblant à d'autres lettres, forme un cristal plus grand et ces cristaux plus grands forment des cristaux encore plus grands que sont les phrases et les paragraphes. Donc la pensée liée à la culture du livre est une pensée linéaire, cristallisée, qui favorise beaucoup la mémoire événementielle, c'est-à-dire que pour comprendre ce qu'on est en train de lire ou ce qu'on est en train de dire, il faut évidemment se rappeler ce qu'on a lu ou ce qu'on a dit avant. Du coup, il est très important dans la culture du livre d'apprendre par cœur, de faire fonctionner la mémoire, avec le risque évidemment que les compétences soient réduites à des apprentissages par cœur. Bon, c'est un inconvénient, mais en même temps, cette culture a beaucoup d'avantages, on le verra. Alors la culture des écrans, c'est le contraire, elle est centrée sur la spécialité. Quand on est devant un écran, quel qu'il soit, eh bien on est un petit peu comme dans la vie, c'est-à-dire on peut choisir de porter son regard à droite, son regard à gauche. Il n'y a pas forcément de continuité entre ce qu'il y a sur ma droite, ce qu'il y a sur ma gauche. C'est moi qui la crée. C'est moi qui choisis dans la vie courante à tout moment, quand je suis dans une foule, d'aller vers une personne ou d'aller vers une autre. Un écran, c'est pareil. On fait fonctionner une intelligence spatialisée. Et cette intelligence spatialisée, eh bien, elle implique d'avoir de la mémoire, mais ce n'est pas la même que la mémoire événementielle. C'est une mémoire de travail. Être capable de prélever des éléments qui ont une valeur informative, pour moi, à un moment donné, les organiser ensemble, de manière à créer ma feuille de route, hein, pour une activité donnée. C'est ce qu'on voit dans les jeux vidéo. Il faut aller chercher une clé dans un coffre, avec la clé ouvrir une porte. Derrière cette porte, on trouve un vêtement et avec ce vêtement, on peut rejoindre d'autres personnes qui sont habillées pareil. Donc il faut s'établir une feuille de route et aller choisir les différents éléments dont on a besoin pour accomplir une tâche qui n'a pas prétention d'être éternelle, d'avoir une valeur éternelle. Ce n'est pas une grande synthèse, mais c'est une petite synthèse ponctuelle et éphémère. Et donc, aujourd'hui, on sait, grâce notamment aux neurosciences, que ces deux formes d'intelligence qui ont toujours existé chez l'être humain, l'intelligence spatialisée et l'intelligence narrative, sont parfaitement complémentaires et que l'avenir appartient à ceux qui sauront passer de l'une à l'autre et de l'autre à l'une, et on verra quelles conséquences pour la famille. Révolution dans le fonctionnement psychique, il y a beaucoup de choses, je vais m'en tenir à une, hein, le fait que dans la culture traditionnelle du livre, comme on sait, le récit, le langage parlé ont eu une importance considérable, l'invention de la psychanalyse en témoigne, mais aussi le succès des romans, hein, qui sont tout simplement des récits, ou même le fait que le cinéma ait repris le modèle du récit pour s'imposer, un bon film fabriqué avec un bon scénario, lui-même tiré d'un bon roman. Donc dans la culture traditionnelle du livre, la parole parlée, enfin le langage parlé écrit a un statut d'exception et l'image a souvent un statut assez méprisé. Au contraire, sur Internet, dans la culture des écrans, on peut interagir avec des mots, mais vous savez que de plus en plus, des gens interagissent avec des images et pas seulement des adolescents. Et d'ailleurs, depuis quelques mois, il y a beaucoup plus de messages envoyés, de messages qui utilisent des images que de messages qui utilisent du texte. Et puis dans cette culture Internet, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la possibilité de se mettre en scène, notamment devant sa webcam. Et aujourd'hui, la mise en scène de soi n'est plus seulement une mise en scène à but de simulation, c'est-à-dire je fais semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas pour tromper les autres. Ça, c'était peut-être au début, mais aujourd'hui, avec la généralisation de la culture Internet, on voit de plus en plus d'adolescents, de jeunes, qui se mettent en scène pour le plaisir de se mettre en scène, non pas pour tromper sur ce qu'ils sont, mais pour jouer en montrant qu'ils sont capables de simuler quelqu'un qu'ils ne sont pas en réalité. Et donc une culture nouvelle dans laquelle non seulement le langage, mais aussi le geste, l'attitude, la mimique, les images vont avoir un statut équivalent. Il n'y a plus le langage qui a un statut d'exception, les images un statut méprisé et le langage du corps ignoré, mais il y a trois modes de communication et de construction d'une relation personnelle au monde qui sont traités de façon équivalente. Révolution des liens et de la sociabilité, là aussi je vais m'en tenir à un seul aspect, c'est le fait que, parce que
ça concerne beaucoup la famille, le fait que dans la culture du livre, il y a des personnes autorisées, hein, des clercs, des gens qui ont des titres, qui détiennent l'autorité, et quand ils ont parlé, ben, ils sont censés avoir dit ce qu'il faut savoir, hein, alors que dans la culture des écrans, ben, l'autorité n'est pas donnée a priori, en tout cas, elle n'est pas donnée par un titre, elle n'est pas donnée par un diplôme, elle est donnée par une reconnaissance par les pairs, c'est-à-dire chacun à tout moment doit faire la preuve qu'il est digne d'exercer une autorité. Vous voyez, on va voir les conséquences sur la famille. Et ça va, vous savez aujourd'hui à quel point des scientifiques de disciplines réputées exigeantes, hein, dures, comme on dit parfois, la physique, la chimie, les mathématiques, vous savez qu'aujourd'hui, des jeunes scientifiques demandent à ne plus être jugés par des seniors appartenant à des comités de rédaction de revues dites habilitantes, mais vous savez que ces jeunes scientifiques demandent à pouvoir bénéficier d'espaces sur Internet sur lesquels ils puissent mettre leurs recherches de manière à être jugés par leur pair, P-A-I-R-S, et plus par leur pair, P-E, accent grave, R-E-S. Et évidemment, dans cette culture où l'autorité se dissout, l'arme de la culpabilité se dissout aussi. Et sur Internet, il n'y a pas d'instance régulatrice par la culpabilité, puisqu'il faut avoir un pouvoir institué pour faire fonctionner la culpabilité. Par contre, la perte de la e-réputation est quelque chose de tragique qui fait que certains jeunes peuvent squeezer la vie familiale pour rejoindre leur groupe sur Internet par peur de perdre leur e-réputation. Ils préfèrent être punis par leurs parents, mais ne pas perdre leur e-réputation, qui est beaucoup plus difficile à regagner que l'affection des parents, de toute façon, qu'ils savent acquise. Alors maintenant, ces deux cultures que je viens très rapidement à vous opposer, il faut comprendre qu'elles sont parfaitement complémentaires et elles ont toutes les deux leurs dangers et leurs inconvénients. Alors, quand on pense à la culture du livre, on pense qu'elle a des avantages. Non, hein, elle a beaucoup d'inconvénients. J'en ai retenu un seul, hein, la réduction des compétences aux apprentissages par cœur qui inhibe la créativité. Voilà, tous les gens qui ont appris leur métier en répétant les métiers d'un patron, en répétant les métiers d'un mentor, mais qui ont été inhibés dans la capacité de pouvoir faire évoluer leur métier. Et puis au contraire, dans la culture des écrans, le grand danger, bien évidemment, la dispersion et puis cette image que tout le monde a à l'esprit de l'adolescent, toujours l'adolescent perdu, hein, toujours la main sur son portable, angoissé à l'idée de rater le moindre message. Et en fait, cet adolescent, sans recul temporel, ne sachant pas d'où il vient, ne sachant pas où il va et ayant à peine développé une conscience de soi, on voit de telles choses partout dans les médias, hein, mais on va voir que ça n'est pas du tout lié à la consommation excessive d'écran, comme parfois les médias veulent nous le faire croire, c'est lié à une éducation qui a introduit les écrans trop tôt et trop massivement à un moment où l'enfant n'avait pas justement encore construit les repères qui allaient lui permettre de gérer cet environnement. C'est un petit peu comme si vous preniez l'exemple d'un enfant qui barbote dans une piscine parce qu'il ne sait pas nager en disant voilà la conséquence de mettre un enfant à l'eau. Non, c'est voilà la conséquence de l'avoir mis à l'eau sans lui apprendre à nager. C'est ça que beaucoup d'attaquants violents des technologies numériques aujourd'hui oublient de dire. Alors ces deux cultures ont aussi beaucoup d'avantages, on va voir après comment les concilier. La culture du livre, elle est formidable parce qu'elle permet de s'approprier sa propre histoire en devenant le narrateur. Et il faut bien comprendre qu'on ne devient pas le narrateur de sa propre histoire sans avoir commencé à raconter les histoires des autres. C'est-à-dire que vous lisez à un enfant un livre, il ne sait pas lire, vous lui lisez tous les soirs une histoire parce qu'il la redemande, puis un jour vous le surprenez en train de lire lui-même l'histoire. En fait, il se la raconte à haute voix comme s'il la lisait, et en fait, il s'en fait le narrateur à son tour. Un enfant à qui on raconte des histoires devient toujours le narrateur à un moment ou à un autre de l'histoire qu'on lui raconte. Et pourquoi c'est si important? Parce que c'est ce qui va lui permettre ensuite de devenir le narrateur de sa propre histoire, c'est-à-dire de dire « avant j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça, demain je serai autrement, demain j'ai envie d'être ceci ou cela, ou demain on va faire ceci ou cela parce que c'est tel jour », c'est-à-dire être quelqu'un qui peut se situer dans l'histoire en ayant un rôle actif de narrateur de sa propre histoire. Mais la culture des écrans aussi a un formidable avantage, c'est que dès que vous ouvrez un écran, vous ne savez pas à quoi vous allez avoir affaire. Hein, ça a été dit, Internet, vous tapez sur Google un mot en pensant que vous allez trouver des infos sur le mot que vous avez tapé et vous tombez sur toute autre chose. Ou
plus fréquent encore, vous tapez votre mot, vous tombez sur le mot, mais il y a des pop-up, il y a des fenêtres qui s'ouvrent autour, et puis il y a des mots, des liens qui apparaissent, et tout d'un coup vous en trouvez un qui vous intrigue, et vous allez dessus, et puis vous allez encore sur un autre, et puis au bout de 5 minutes, mais parfois au bout d'une heure et demie, eh bien vous vous dites, mais qu'est-ce que je suis donc venu faire ici ? C'est-à-dire que vous avez oublié ce que vous êtes venu chercher, vous n'avez gardé aucun souvenir de votre parcours, et vous avez même oublié le temps. Et donc vous voyez que si utiliser Internet, eh bien, ça nécessite quelque chose de très important, c'est d'avoir intériorisé les repères temporels de la culture du livre. Être capable de se construire une feuille de route, être capable de réguler son temps, être capable, donc, dans d'autres termes, de s'autoréguler, de savoir toujours qu'est-ce qu'on va chercher sur Internet, combien de temps on se donne pour le trouver, et éventuellement, combien de temps on se donne pour flâner aussi, parce que ça arrive à tout le monde, au milieu d'un travail, de regarder quelques vidéos idiotes sur YouTube. Enfin, regarder des vidéos idiotes sur YouTube, ça distrait. Par contre, passer 1h30, 2 heures à en regarder, quand on a un travail à faire, c'est un vrai problème, mais c'est un défaut d'autorégulation. Alors, quelles conséquences pour la famille ? Maintenant, ça va aller assez vite, hein, parce que si vous avez suivi jusque-là, vous allez voir, ça coule de source. Tenir compte de la nouvelle relation au savoir, ben, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir accompagner, hein, et accepter de pratiquer cette forme de compagnonnage, hein, qui est l'éducation inverse, c'est-à-dire, explique-moi ça, mais moi, je peux t'expliquer ça, et évidemment, parfois, on n'est pas d'accord, et alors on va argumenter. Et on s'aperçoit que les pays anglo-saxons, les pays nordiques sont très en avance sur la France par rapport au développement de la controverse et du débat. Dans beaucoup de pays nordiques, on propose aux enfants maternels de débattre de l'emploi du temps de la journée. On les fait voter sur comment la journée va s'organiser. Je ne parle même pas des écoles Montessori, hein, qui ont énormément développé ça depuis très longtemps. Mais on s'aperçoit qu'en France, la controverse et le débat sont très peu présents. Regardez, par exemple, là, il y a un gros colloque, hein, ça dure plusieurs jours. Eh bien, aux États-Unis, les gens n'interviendraient pas tout seuls, ils interviendraient à deux sur un même problème en débattant. Il ne faut pas oublier qu'il y a des concours de controverses aux États-Unis. Chaque année, il y a des concours de controverses. On donne un sujet à deux personnes, on dit maintenant débattez. Hein, voilà. Mais en France, quand vous dites, moi quand je dis à un collègue, ben, on n'est pas d'accord sur tel point, c'est formidable, il y a un colloque, on est tous les deux, on va débattre. Non, 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 on ne va pas débattre. Chacun parle de son côté. Hein. Et ça, c'est terrible parce que on a énormément de retard et vous voyez bien qu'aujourd'hui, dans un monde de Wikipédia, dans un monde de culture horizontale, eh bien ceux qui ne sont pas aptes à débattre, à trouver les arguments, à utiliser les arguments logiques comme des pièces de puzzle qu'on apprend à assembler les uns avec les autres, vous voyez bien que ces personnes-là ne sont pas faites pour les compétitions internationales. Or, aujourd'hui, toutes les compétitions sont internationales, que ce soit dans le domaine scientifique, dans le domaine commercial, toutes les compétitions sont internationales. Valoriser la controverse et le débat, ce n'est pas seulement faire des citoyens responsables, c'est faire éventuellement des futurs commerciaux performants quand ils iront au Japon et qui devront plaider un dossier pour la France contre des Américains qui, eux, plaideront un dossier pour des entreprises américaines. Tenir compte de la nouvelle relation aux apprentissages, ben c'est l'alternance. Hein. C'est-à-dire que je vous ai dit l'intelligence du livre et l'intelligence des écrans, c'est deux intelligences complémentaires, intelligence narrative d'un côté, intelligence spatialisée de l'autre. Eh bien, on va faire alterner. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire mes enfants ont regardé une demi-heure la télé. Bon, je mange avec eux. Je vais leur dire, alors, qu'est-ce que vous avez vu à la télé ? Alors ils vont me dire, par exemple, on a vu un monsieur qui reçoit une pomme qui lui tombe sur la tête. Alors, pourquoi il y a une pomme qui est tombée sur la tête ? Ben, il dormait au pied du pommier. Mais pourquoi il s'était couché ? Il avait sommeil. Et voilà. Et avant, qu'est-ce qu'il avait fait ? Après, qu'est-ce qu'il avait fait ? Or, vous avez un endroit où traditionnellement ce genre de choses se faisait, c'était l'école. Traditionnellement, à l'école, on apprenait aux enfants l'existence d'un avant, d'un pendant, d'un après, et on apprenait aux enfants qu'entre l'avant et l'après, eh bien, il y avait une articulation qui pouvait être de l'ordre du « mais », de l'ordre du « ou », de l'ordre du « car », hein, « mais », « où » et donc « ornicard », pour toutes les dire. Eh bien, c'est ça aujourd'hui qui fait défaut à beaucoup d'enfants, c'est-à-dire qu'ils sont, introduits à l'idée de devoir apprendre à lire et écrire avant d'avoir intériorisé ses repères temporels et ses repères de causalité logique. Et je ne vous dis pas, quand ils vont aller sur Internet, ils vont être évidemment totalement perdus.
Alors, tenir compte du nouveau fonctionnement psychique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir respecter les rythmes du tout-petit. Rien ne permet mieux à un tout-petit de construire son rapport temporel au monde, son horloge interne, que de respecter ses rythmes. Ça veut dire manger à heure régulière, se coucher à heure régulière, ne pas regarder la télé jusqu'à point d'heure sous prétexte que c'est vendredi, puis ensuite le samedi sous prétexte que c'est samedi, parce qu'il faut 2 jours après le lundi et le mardi pour récupérer. Et la semaine commence le mercredi alors qu'elle est censée commencer le lundi, ce qui est quand même bien embêtant. Donc, respecter les rythmes de l'enfant, inciter l'enfant à anticiper ses activités à leur durée. Ne jamais dire à un enfant, écoute, tu as l'air de t'ennuyer, on te met la télé. Non, lui dire, écoute, tu as l'air de t'ennuyer, peut-être tu as envie de regarder la télé. Ben oui, ben, alors, comme, tu vas la regarder une demi-heure. Hein, ben oui, d'accord, puis après, qu'est-ce que tu feras? Ben après, peut-être on fera un jeu ensemble, voilà, une demi-heure. Dire, inviter l'enfant à anticiper. Jamais allumer la télé, éteindre la télé, mais toujours dire à l'enfant, on va te mettre devant la télé, tu vas regarder la télé tant de temps, ou tablette tactile, tant de temps. Anticiper le temps. Inviter l'enfant à préciser, à organiser, planifier son emploi du temps lui-même. Tu as droit à 1 heure d'écran, est-ce que tu veux faire un peu de tablette tactile, un peu de télé, voilà. Passer des contrats au fur et à mesure que l'enfant grandit et toujours favoriser la complémentarité et 3 formes de symbolisation, c'est-à-dire que l'enfant dit « j'ai vu tel truc, raconte-moi ». Et il vous dit, j'ai pensé tel truc. Ah ben tiens, j'ai pensé une histoire dans laquelle mes chevaliers Playmobil vont attaquer tous les archers. Mais formidable, on va le filmer. Voilà. C'est-à-dire, inviter l'enfant à passer de la pensée verbale à la pensée imagée et de la pensée imagée à la pensée verbale. Formidable. C'est offrir un appareil photo à un enfant de 4 ans, c'est découvrir le monde, soi-même en tant qu'adulte, un monde différent de ce qu'on croyait connaître. Alors, tenir compte des nouvelles formes de sociabilité, hein, là aussi, ben, c'est quoi ? C'est encourager les activités de création, je viens de le dire. Et puis, si l'ado est passionné de jeux vidéo, eh bien, lui poser toujours les 3 mêmes questions. Est-ce que tu joues seul ou avec d'autres ? Parce qu'un enfant qui joue avec d'autres, ben, si c'est d'autres qu'il retrouve dans la cour de récréation, c'est très socialisant. As-tu pensé à faire ton métier dans les professions du jeu vidéo ? Parce que s'il dit « Ah oui, oui, j'y ai pensé voilà, », ben, dans quel domaine tu voudrais le faire ? C'est très socialisant aussi. Fabriques-tu des petits films ou des photographies dans tes jeux vidéo ? Parce que s'il en fait, il n'en fait pas tout seul. Hein. Il en fait avec ses copains, des fois. Mais il ne va pas forcément le dire à ses parents. Moi, je vois des tas d'ados qui ont des activités de création dans leurs jeux vidéo, leurs parents n'en savent rien, leurs parents le découvrent quand ils sont en consultation avec moi. Donc ça recoupe des choses qui vous ont déjà été dites, mais il faut bien comprendre qu'il n'y a de moyen de s'opposer aux pratiques délétères et socialisantes que d'encourager les pratiques créatrices et socialisantes. On ne va pas décider, alors évidemment, vous connaissez mon idée, pas de télé avant 3 ans, ça c'est facile. Pas de console de jeu personnel avant 6 ans, ça c'est facile. Mais quand l'enfant va commencer à aller sur Internet, quand il va, ou l'enfant qui va tout simplement avoir du temps à la maison tout seul parce que ses parents ne sont pas là, il est bien évident qu'on ne va pas contrôler, ça va être très dur de contrôler la durée. Par contre, il faut faire en sorte de lui demander des comptes et d'encourager toujours, de valoriser toujours toutes les pratiques créatrices d'éviter le plus possible les pratiques de pure consommation, qui sont des pratiques très vite désocialisante dans les écrans. Alors demain, les jours qui viennent, on va aussi vous parler des écrans à l'école. C'est pour la même raison. Moi, je dis toujours qu'à l'école, il ne faudrait jamais introduire l'écran comme un équivalent du papier. Chacun a un écran, un crayon et une feuille de papier, mais on n'introduit pas un écran par enfant, tout simplement parce qu'introduire un écran par enfant, c'est introduire un écran comme un espace sur lequel l'enfant est invité à se concentrer. Or, l'écran n'est pas un espace sur lequel il doit être invité à se concentrer, puisqu'il a déjà bien trop tendance à s'y concentrer dès qu'il y en a un devant lui. L'écran doit être un espace qui est introduit comme un espace d'interaction et de socialisation. Donc un écran pour 4, 3, 4, 5, on travaille ensemble devant, et puis un jour, une année après, on dit à l'enfant, ben voilà, ou 3 mois après, on lui dit, voilà, jusqu'ici, vous avez travaillé à 3 devant un écran, maintenant, on vous met en LAN ou sur Internet, et vous travaillez avec vos copains à travers l'écran. C'est la découverte de l'écran comme lieu de construction d'une intelligence collective, interagir, etc. Voilà, alors pour essayer de populariser toutes ces idées, donc j'ai lancé une campagne, Robert Voyazopoulos a eu la gentillesse de le rappeler, donc 3-6-9-12, donc il y a un ouvrage qui est en vente ici, et puis surtout il y a une affiche, alors une affiche bon, qui rappelle ce dont l'enfant a besoin avant 3 ans, entre 3 et 6 ans, de 6 à 9 ans, de 9 à 12 ans, après 12 ans, sachant que 3-6-9-12, c'est des repères que tous les parents
ont en tête et que tous les enfants ont en tête aussi. 3, c'est l'âge où il peut rentrer en maternelle. 6, c'est l'âge où il rentre en CP. 9, c'est l'âge où il sait à peu près lire et écrire. Et 12, c'est l'âge où il a trouvé ses repères en collège. En général, il rentre à 11 ans, mais la première année, il est un peu ballotté. Et puis à 12 ans, là, quand même, il a trouvé ses repères. Donc, des âges sur lesquels on peut se guider, pas seulement pour savoir quels écrans introduire, en quelle quantité, mais des âges sur lesquels on peut se guider aussi pour anticiper. Je pense que des parents ne devraient jamais dire un beau jour à leur enfant « Tiens, on te fait un beau cadeau aujourd'hui, voilà un téléphone portable ». Non, jamais. Il faut l'avoir anticipé en lui disant « Mais écoute, tu sais, on a réfléchi, tu dois avoir envie d'avoir un téléphone portable ». Oh ben oui, j'en ai envie, mais ben, voilà. Eh ben, on a pensé que tu pourras en avoir un à tel âge. Voilà. Oh ben c'est dans une année, c'est encore loin. Oui, mais écoute, c'est comme ça. Là, on va en discuter. Peut-être tu vas nous faire changer d'avis. C'est toujours bon d'en discuter. Mais enfin, nous, on pense que dans une année, à tel âge, c'est bien. Dire inviter l'enfant à se situer dans une chronologie. Le grand problème des écrans, et c'est valable aussi pour nous adultes, c'est que dès qu'on est devant un écran, on est dans l'écran. On est dans un éternel présent. Il n'y a aucun repère de temporalité dans un écran. Aucun. Pendant un temps, j'avais milité pour que, dans les jeux vidéo, la pendule qui est en bas de l'écran ne disparaissent pas. Vous savez qu'il y a une petite pendule en bas de votre écran et quand on joue dans un jeu vidéo, elle disparaît. Non, j'avais dit, il ne faut pas qu'elle disparaisse pour que les joueurs puissent voir la pendule. Ben, j'ai fait l'expérience, non pas en faisant apparaître la pendule, c'est pas possible, mais en mettant une devant les yeux, mais quand on est dans un jeu vidéo, on ne regarde plus la pendule. Et même si on la regarde, on se dit elle doit être déréglée. On oublie tout de suite quand elle nous dit qu'on y a passé trop de temps. Parce que dès qu'on est dans un écran, on est dedans, on est dans un éternel présent. Et donc, du coup, ça va être très important que l'enfant soit encore une fois introduit à la durée, au repère de durée, c'est-à-dire à son histoire personnelle, à son histoire généalogique, à la régularité des rythmes qu'il a intériorisés dans la petite enfance, et puis à pouvoir anticiper son avenir. Quand, encore une fois, on voit un enfant qui ne sait pas parler de ce qu'il a été, qui n'a aucune idée de ce qu'il sera, et qui est toujours dans les écrans, c'est pas parce qu'il est toujours dans les écrans qu'il a aucune idée de ce qu'il a été et de ce qu'il sera. C'est parce qu'il a aucune idée de ce qu'il a été et de ce qu'il sera qu'il se réfugie dans les écrans où il n'a pas à se poser la question. Et donc ça, c'est un problème d'éducation précoce. Donc 3, 6, 9, 12, c'est une manière d'inviter les parents à introduire les écrans au bon moment, c'est-à-dire encore une fois, avant 3 ans, ben, la télé c'est très déconseillé. De 3 à 6, ben, il vaut mieux développer les activités manuelles et des jeux collectifs, y compris d'ailleurs des jeux collectifs numériques, et puis évidemment inviter l'enfant à raconter. De 6 à 9, donc c'est des activités collectives, bien sûr, qui vont devenir plus importantes, mais surtout la possibilité pour l'enfant d'apprivoiser Internet alors qu'il n'y est pas encore allé. On ne va pas attendre que l'enfant aille sur Internet pour lui dire ben, « Maintenant que tu es sur Internet, on va t'expliquer les règles. » Il aura déjà fait en une heure, on peut faire des tas de conneries. Donc, pas besoin d'y passer 8 jours pour faire des conneries. Donc, on va évidemment lui expliquer avant et expliquer notamment tout ce qu'on y met peut tomber dans le domaine public, tout ce qu'on y met peut y rester éternellement et tout ce qu'on y trouve est sujet à caution. Et puis après, ben, l'enfant va mener sa vie sur Internet, mais encore une fois, s'il a bien intériorisé les repères temporels, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il retrouvera toujours son chemin. Régulièrement, on peut lui dire, ben, tu as passé du temps sur Internet, qu'est-ce que tu es allé chercher, est-ce que tu as trouvé d'autres trucs que ce que tu cherchais, voilà. Bon, alors vous allez me dire, c'est compliqué la tâche de parent, ben oui, mais enfin, c'est vrai qu'elle est peut-être plus compliquée que par le passé, mais enfin, il y a une contrepartie, c'est que plus personne n'est obligé d'avoir des enfants, donc du coup, ma foi, ceux qui en ont, ben, ils font face aux difficultés. Alors pour terminer, je vous ai mis une citation de Maria Montessori. « Laissez faire ce qu'il veut à l'enfant qui n'a pas développé sa volonté, c'est très au sens de la liberté. » Vous voyez, quand elle parle de développer sa volonté, mais en fait, pour moi, c'est avant même de pouvoir développer sa volonté, eh bien, il faut être capable de se situer dans une temporalité. C'est parce qu'on se situe dans une temporalité que la volonté a prise sur la vie, et à ce moment-là, on peut exercer sa liberté. Voilà, merci de votre attention. Merci, merci beaucoup Serge. Les informations sur 3, 6, 9, 12 sont disponibles au salon des exposants. Il y a notamment une table avec l'ensemble des documents, y compris les affiches 3, 6, 9, 12 si vous êtes dans un établissement ou un service. Alors voilà, Serge Soudoplatov pour la dernière demi-heure. Et une intervention que vous maîtrisez très bien pour conduire en tout cas en partie sur ce thème un cycle de conférences MAIF depuis maintenant 2 ans.
Merci. Merci de votre accueil. J'étais fasciné par une question récurrente tout l'après-midi, c'est pourquoi le arrobas dans Mutant ? Moi, je vous délivrais un petit secret, parce que j'aime bien le Bourgogne. Cette lettre, je l'appelle le Haligoté. Bon, c'est très difficile de passer derrière Serge Tisseron, parce que si on fait l'équation enfant et Internet et numérique, franchement, on ne peut pas trouver mieux que lui. Alors moi, j'ai décidé de prendre le problème de l'autre côté. Après tout, on est fatigué, c'est la fin de la soirée. Et je voudrais commencer à détruire un mythe. Internet, c'est uniquement pour les jeunes. Et pour détruire ce mythe, je vais passer par une femme que j'adore, qui s'appelle Ivy Bean. Alors Ivy Bean est une dame anglaise qui est née en 1906 dans le Devonshire, qui a vécu toute une vie normale de dame anglaise. Bon, on voit bien à sa bouille qu'elle est un petit peu empathique quand même. Et puis en 2008, donc à l'âge de 102 ans, Ivy Bean s'inscrit sur Facebook et devient la doyenne des internautes sur Facebook. Au bout d'un an, elle est un peu triste parce que sa page a atteint 4895 fans, ce qui est le nombre maximum de fans qu'on puisse atteindre sur Facebook. Et donc Ivy Bean se tourne vers Twitter et hélas, en 2010, donc à l'âge de 104 ans, Ivy Bean meurt avec tout de même 58 000 followers sur Twitter, ce qui est absolument énorme. Donc voyez, on peut découvrir Internet à 102 ans et mourir à 104 ans en étant une des stars du net. Elle a son entrée dans Wikipédia, elle avait été reçue par Gordon Brown, etc. Alors, si je prends ce bout de la lorgnette, c'est pour parler effectivement de l'autre bout de la lorgnette, des enfants, des étudiants. Moi, j'enseigne effectivement plutôt en master. Je peux vous dire une chose, oui, ils vont sur Internet, mais c'est pas sûr qu'ils comprennent exactement ce que c'est qu'Internet, les enjeux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas 104 ans d'histoire, comme Ivy Bean l'a eu. J'ai même enseigné à l'ESCP, je peux vous dire qu'un jour, je me suis étripé avec une charmante jeune fille, une belle blonde, qui en plus était intelligente à l'ESCP, qui probablement un jour deviendra une grande directrice marketing, et qui a osé me dire quand même en face à face, dans le cours, monsieur, Internet, c'est une perte de temps. Bon, alors, vous vous rendez compte qu'à 25 ans, si on en est là et qu'on va devenir une grande directrice marketing, il faut quand même se faire du souci. Et puis même si on va encore plus bas en âge, bon, vous êtes tous familiers avec le concept de génération Y et Z, hein, donc les Y nés dans les années 80 sont nés avec Internet, les Z nés dans les années 2000 sont nés avec les réseaux sociaux, on constate une énorme différence déjà d'approche de l'Internet, et j'ai lu que les Z, par exemple, pratiquent énormément ce qu'on appelle le defriending sur Facebook, c'est-à-dire que tous les mois, ils disent bon, avec lui, il ne se passe rien, donc hop, je le vire, lui, il ne se passe rien, je le vire, tandis que les Y sont beaucoup plus généreux, même s'il ne se passe rien, c'est pas grave, on les garde comme amis. Donc, vous voyez, même en 20 ans, il y a une énorme différence d'approche de ce que c'est qu'Internet. Entre parenthèses, je voudrais tordre le cou à Facebook, c'est fascinant, Facebook, oui, effectivement, 1 milliard d'individus, hein, on dit que c'est le troisième pays au monde, hein, il y a la Chine, il y a l'Inde et il y a Facebook, mais Facebook n'est pas un réseau social. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sens à être dans ce Facebook. Où est-ce qu'il y a du sens dans les forums de discussion ? Là, on y va parce qu'on se partage des recettes de cuisine, parce qu'on a le même métier, qu'on veut partager des trucs et des astuces. Facebook, en fait, c'est l'operating system de l'Internet. Facebook, ça vend du lien, et la sémantique sur les liens, eh bien, c'est pas Facebook qui la met, c'est à vous de la mettre. Donc, effectivement, que les générations Z commencent à pratiquer du defriending, c'est embêtant pour Facebook, parce que du coup, ça fait moins de liens à vendre, et du coup, moi, je prédis que Facebook va plus ou moins stagner. Alors, Internet, bon, on l'a un peu dit dans la journée, moi je vous suggère le schéma suivant. D'abord, le numérique a commencé en moins 1500, moins 2000, quand quelqu'un est venu voir, les gens a dit « maintenant tu arrêtes de dessiner un arbre et tu passes par une série de symboles abstraits, ARBRE ». Donc l'invention de l'alphabet, c'est véritablement l'invention du numérique. Je ne sais pas si vous imaginez la résistance au changement, hein. C'est compliqué, j'y comprends rien. Puis l'autre en face, il y a une autre série de symboles, TREE, au moins quand on dessine un arbre, on se comprenait, hein. Drame de la bibliothèque de Babel. Et effectivement, on l'a dit, Socrate qui en rajoute une couche. Hein. Pour Socrate, l'écrit ne véhiculait pas la connaissance, mais l'illusion de la connaissance, d'où son enseignement oral et les jeunes gens qui marchaient autour de lui, péripatéitos, les péripatéticiens. C'est pour ça que les demoiselles ne suivaient pas les cours de Socrate, alors faut-il s'en plaindre ou pas, je ne sais pas. Ce qui est intéressant quand même à l'invention de l'alphabet, c'est qu'il y a eu les Grecs et les Égyptiens. Et les Égyptiens ont refusé l'alphabet. Les Égyptiens avaient un système de hiéroglyphes complètement tordu. Je ne sais pas si vous êtes intéressé à ce qu'un hiéroglyphe, quand c'est horizontal, ça se lit de gauche à droite ou de droite à gauche. Bon, ben, la réponse, elle est simple, mais elle est tordue. Et les Égyptiens, en plus, le système de hiéroglyphes était un système royal. Le peuple n'avait pas le droit d'écrire les hiéroglyphes. Alors comment on gérait la connaissance ? Eh bien, on inventait les scribes. Donc c'est une société qui était centrée sur dormez, le brave peuple, vous n'avez pas à apprendre à écrire, ce sont les scribes qui s'occuperont de ça. Les scribes aujourd'hui s'appellent le middle management dans les entreprises, hein, pour vous donner un équivalent. Ben, résultat, après avoir produit des chefs-d'œuvre magnifiques, lentement mais sûrement, la civilisation égyptienne a décliné. A l'inverse, les Grecs ont compris l'importance de l'alphabet. Je vous rappelle qu'ils ont inventé la voyelle, ils ont fait des lois.
loi de Carondas, les enfants iront à l'école apprendre à lire, ce sera la ville qui paiera les maîtres. Les Grecs ont fait de l'alphabet un vecteur de progrès social, sociétal. Ils ont décidé de construire leur société, mais ce serait tout un peuple qui apprendrait l'alphabet, pas seulement une couche de sachants. Résultat, explosion de la science, explosion de la philosophie, explosion de la médecine, explosion du savoir. S'il y avait un atome de connaissance qui illustre ça de manière magnifique, je vous rappelle ce qu'on apprend en classe de 3e. En moins de 180, un grec, Ératosthène, calcule le diamètre de la Terre. Erreur, 4,5%. Et je prétends qu'on ne peut pas arriver à ce niveau de connaissance si ce n'est pas tout un peuple qui fait l'effort de créer des apprentissages et de se mettre à une série de symboles tordus qui, franchement, parlent à d'autres zones du cerveau qu'un arbre qu'on dessine. Et ben, vous voyez, là où je veux en venir, Internet, pour moi, ce n'est pas une technologie, ce n'est pas un média, c'est un nouvel alphabet. Et que la question qui se pose à nous tous, c'est ben, par rapport à ce nouvel alphabet, Internet, est-ce qu'on va se comporter comme des Grecs ou comme des Égyptiens? Et on a à peu près 25 minutes pour résoudre cette angoissante question métaphysique. Après, il y aura l'apéritif. Alors oui, arrive le livre, effectivement, bourré d'innovations, on invente la table des matières, mais arrive aussi l'imprimerie. Et l'imprimerie, pour moi, j'y vois un lien très fort avec Internet. Il y avait une église catholique hyper hiérarchisée qui faisait monter la valeur à la tête et qui n'avait pas très envie que la base, devienne intelligente. Hein. Entre autres, il ne voulait pas que le paysan apprenne à lire. Bon, c'est un peu caricatural, c'était sûrement plus complexe que ça, mais il y avait un peu de ça. Pourquoi ? Parce que si le paysan apprend à lire, bah, il va lire la Bible, puis il risque de challenger M. le curé. Hein. Pourquoi on ne parle pas beaucoup de l'Ancien Testament ? C'est quand même plus rigolo que le Nouveau Testament. Enfin bon, des trucs comme ça. Et donc, en réaction, naît le protestantisme qui, lui, dit « je vais construire un modèle autour de la communauté ». Or, la communauté, c'est l'inverse d'une hiérarchie. Si on veut qu'une communauté marche, c'est une somme d'énergie individuelle. Donc, il faut que les gens soient éduqués, il faut que les gens lisent la Bible. Et bien, ça tombe bien, l'imprimerie, ça sert à imprimer la Bible. Mais c'est la même imprimerie qui sert à créer le monde industriel. Il n'y a pas de monde industriel s'il n'y a pas une manière de dupliquer les savoirs et de les diffuser dans le monde entier à bas coût. Donc, vous voyez, l'Internet, c'est un peu ça aussi. Aujourd'hui, le monde de l'entreprise est très mal à l'aise vis-à-vis d'Internet. Pourquoi ? Parce que ça bouscule les hiérarchies, ça bouscule les ordres anciens. Mais Internet, c'est aussi la mondialisation, les échanges économiques, une nouvelle économie de flux qui, quelque part, devrait tirer notre planète vers un enrichissement plus fort. Donc, il y a cette dualité. Mais à la limite, si on dit que c'est un alphabet, l'alphabet porte la même dualité. Je vous rappelle que c'est le même alphabet qui sert à faire une beauté magnifique qui sont les poèmes de Ronsard et une horreur absolue qui est Mein Kampf. C'est le même alphabet qui sert à faire des notices d'emploi d'appareils et des revues pornographiques. Donc un alphabet est forcément système neutre. Internet, si c'est un alphabet, et c'est un alphabet, forcément doit rester un système neutre. C'est pour ça qu'il faut militer pour la neutralité du net. Bon, et puis arrive bien sûr l'ordinateur, et puisqu'on a cité Michel Serres, pour moi l'ordinateur c'est pas la machine de Pascal, c'est cette magnifique conférence de Michel Serres sur Saint-Denis. Donc vous savez, Saint-Denis on lui coupe la tête, et puis il met sa tête sur un plateau, et puis il se balade comme ça, et la question c'est où est Saint-Denis ? Est-ce qu'il est dans le corps qui regarde la tête, dans la tête qui regarde le corps, alors qu'il a fait cette conférence devant 704 d'Orage. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont dû se dire, il a fumé un joint le pauvre Michel Serres pour se poser ce genre de questions. Bon, et Michel Serres de conclure, ben, quand vous êtes devant votre écran d'ordinateur et que vous tapez un document, vous êtes comme Saint-Denis, vous avez mis votre tête dans l'ordinateur, vous parlez à votre propre tête. L'informatique, c'est quelque chose qui est réflexif de votre propre pensée. Est-ce que c'est bien ce que je voulais dire? Vous le changez. Tableur Excel, pareil. Est-ce que c'est bien les chiffres que je voulais mettre? Vous faites des simulations. Sauf que rappelez-vous, quand ça naît dans les années 80, ça s'appelle l'informatique individuelle, personal computer. Il n'y avait pas de réseau. Le grand génie de Bill Gates, un PC et une imprimante sur chaque bureau, il n'y avait pas de réseau. Et je peux vous dire que les chercheurs qui, dans ces années-là, cherchaient à mettre les ordinateurs en réseau, étaient considérés comme fada. Quel est l'intérêt de faire causer des ordinateurs entre eux? D'ailleurs, le protocole Ethernet, qui est le protocole de la prise réseau qu'on met, a été inventé à l'université d'Hawaï, et tout le monde se moquait d'eux en disant « Hawaï, ce n'est pas des chercheurs, c'est des surfeurs. » Pas des surfeurs du net, quoi. Bon, puis arrive Internet. Alors, si j'avais à résumer Internet en une phrase, je dirais, c'est cet alphabet, c'est ce qui nous permet de réaliser cette subtile alchimie qui consiste à passer d'une somme d'intelligence individuelle à une intelligence collective. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective? Pourquoi faut-il y passer? Pourquoi c'est différent, etc. Bon, c'est un peu les questions que je voudrais vous aborder ensemble. Alors, premièrement,
savez, on dit toujours, maintenant, c'est pas comme avant. En fait, il y a beaucoup d'invariants. Il y a un invariant qui, moi, me fascine, par exemple. Je ne sais pas si vous savez que le temps moyen que passe un citadin dans les transports est le même à Londres, Tokyo, New York, Los Angeles, Paris. C'est 1h30 en moyenne. Hein. Mais il est aussi le même depuis 40 ans. Et les historiens vous disent qu'il est le même depuis le Moyen-Âge. Donc, c'est comme si on avait un budget temps dans notre tête. Donc, ça, c'est un invariant. En revanche, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas du tout un invariant, c'est ça. Quand moi, je suis né, il y avait 2,3 milliards d'individus sur Terre. Aujourd'hui, il y en a 7. C'est pas moi le coupable, hein, je vous rassure. Hein, j'ai un petit peu contribué, bon. Mais 7 milliards d'individus sur Terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos journées sont bourrées d'interactions. On a plus de copains, on a plus d'élèves, on a plus d'étudiants, on a plus de clients, on a plus de partenaires. Les rues sont remplies de plus de voitures, les trains sont remplis de plus de gens, le métro, n'en parlons pas, c'est hyper bondé. Et en fait, si vous regardez nos journées, hein, moi, mes parents, c'était 8h midi, 2h, 6h, c'était calme, il n'y avait pas beaucoup d'interactions. Hein. Aujourd'hui, on est un collectif qui interagit énormément. Alors, quand on regarde sur le plan individuel, c'est quoi la conséquence? Ben, c'est ça. Sur le plan individuel, on est submergé d'interactions, on est submergé de contenu. Le fameux syndrome du manager, j'ai trop d'emails. Bah, mon gars, t'as trop d'emails, mais peut-être que si tu te reconfigurais, il y aurait peut-être, tu pourrais peut-être résoudre ce problème. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un monde bourré d'interactions? C'est un monde sous hyper-contrainte, c'est très stressant. Donc, je vais passer par une figure que j'aime beaucoup, qui est Ilya Prigogine. Comme vous avez compris, je suis à moitié russe, l'autre moitié, c'est la breton, hein, mais pseudo-platon, je suis moitié russe, j'adore les Russes. Donc, Ilya Prigogine est un chercheur qui a eu le prix Nobel de chimie parce qu'il a beaucoup travaillé, justement, sur les systèmes adaptatifs. Et des systèmes adaptatifs, c'est la manière de répondre à une contrainte. Donc, répondre à cette contrainte de multiplicité d'interactions, ça veut dire se reconfigurer. Ça veut dire que, quoi? Eh bien, on est quelque part, alors ici, les psychologues de Palo Alto connaissent bien ça, on est quelque part dans une homéostasie. C'est-à-dire qu'on est dans un équilibre dynamique. Et ça veut dire quoi? Dans un équilibre dynamique qui constamment se reconfigure par rapport à son environnement, ça veut dire que tous les schémas anciens de stabilité, de linéarité, on peut prédire le futur avec le passé, etc., ben, ces schémas sont finis. Nous, on les a connus dans les 30 Glorieuses. Les enfants d'aujourd'hui, ils ne connaissent pas ça, ils ne connaissent pas la stabilité. Ils connaissent au contraire un monde qui est en constante interaction avec son environnement et qui est constamment en train de bouillonner. Alors ça, c'est la première... mauvaise ou je ne sais pas quoi nouvelle. La deuxième nouvelle, c'est qu'il y a un autre terme que j'aime beaucoup, c'est l'autopoïèse, hein, pareil. C'est que non seulement on est en constante interaction avec son environnement, mais ça veut dire qu'en plus on se recrée des formes. Alors, je n'ai pas fait exprès hein, de prendre... Je ne savais pas que notre ami québécois allait utiliser le même dessin de Max Escher, mais on est constamment en plus en train de reconstruire, de nous construire des choses nouvelles. On doit se réinventer nous-mêmes en permanence. Alors là, non seulement les schémas linéaires ne marchent plus, mais alors tout ce qui est de l'ordre de la causalité, ça explose. Entre autres, il y a quelque chose qui me fascine, moi, une forme de la vie, enfin une invention de la vie que j'aime beaucoup, qui est ce qu'on appelle l'exaptation. C'est quoi l'exaptation? C'est la faculté qu'a la vie de produire des formes pour résoudre un problème et qui servent à toute autre chose. L'exemple le plus connu, c'est les plumes des oiseaux. Les oiseaux développent des plumes pour faire de la régulation thermique, et puis d'un seul coup, paf, ça leur apprend à voler. Donc la fonction crée l'organe, non, il n'y a pas de finalité. Nous sommes constamment en train d'inventer de nouvelles formes. Internet, c'est exactement ça. Il ne faut pas croire qu'Internet a été inventé. D'abord, ce n'est pas un projet, Internet. Il n'y a pas de chef de projet Internet. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé pour créer Facebook, Twitter et puis le coup d'après. Non, c'est de l'exaptation. On crée Internet parce qu'on se met en réseau. Et puis au début, on commence à s'échanger des emails. Et puis très vite, on crée des forums de discussion. Le web n'arrive qu'en 90. Je vous rappelle que Internet, c'est 60, le web, c'est 90. Et qu'il y a quand même 20 ans où il n'y a pas de web. Et puis on invente d'un seul coup des tas de trucs auxquels on n'avait pas songé. Donc on est véritablement dans une autopoïèse. Grâce à Internet, on crée des nouvelles formes. Alors là, maintenant, je vais vous torturer le temps de deux trucs, mais si là, je suis trop compliqué, je vous rassure, je vais me calmer après ça. Ça, c'est un autre homme qui me fascine, il s'appelle Alexandre Lyapunov, peu de gens le connaissent, c'est un autre russe. Et Alexandre Lyapunov a dit, ben voilà, si on veut créer des espaces de stabilité dans le chaos, il faut savoir avec précision l'endroit où on est. Pourquoi je me sers de ça? Parce que ça veut dire, quelque part, que
pour créer de la stabilité dans le chaos, parce qu'on ne sait pas vivre dans le chaos, eh bien, il faut faire circuler de l'information, il faut savoir où on est. Et ça, c'est fondamental. J'ai plusieurs exemples. À chaque fois que j'ai vu des systèmes partir dans le chaos, à chaque fois qu'il y a eu de l'information qui s'est échangée, le système s'est stabilisé. Et à l'inverse, si vous regardez tous les grands dysfonctionnements du monde, c'est quand il y a de l'information qui ne s'échange pas. Et c'est jamais les gens, c'est jamais les unités, ce sont les interfaces. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une interface où l'information n'est pas passée. J'ai un exemple dramatique, un de mes amis qui est un des grands noms de l'Internet, Jean-Michel Billot, un jour a eu un caillot de sang dans son artère. Il a fallu 7 heures pour l'emmener dans un hôpital. Le chirurgien lui a dit, bah, écoutez, je suis désolé. Au bout de, jusqu'à 5 heures, je peux sauver la jambe, mais à 7 heures, c'est fini. Donc il était amputé d'une jambe. Et vous savez pourquoi ça a mis 7 heures? Parce que les pompiers qui l'avaient emmené, il était dans 78, dans un hôpital, n'avaient pas eu l'information que 3 jours auparavant, l'hôpital où il l'emmenait avait arrêté sa table d'opération. Et vous voyez, c'est toujours, c'est pas que les pompiers étaient mauvais, c'est pas que l'hôpital était mauvais, c'est que l'information n'était pas passée. Alors la première bonne nouvelle, c'est que Internet, c'est justement ce qui permet de fluidifier cette information dans un système, dans une systémique, et quelque part de résoudre tous les problèmes d'interface. Seulement, c'est très disruptif, Internet. Hein. Je vais vous suggérer 6 grandes fractures que le numérique accompagne. Première grande fracture, ben oui, nous sommes passés d'un monde où l'information est rare à un monde où l'information est hyperabondante. Pas dit de qualité, mais elle est hyper abondante. Alors ça, le secteur qui est le plus impacté, beaucoup sont impactés, mais il y en a qui est vraiment impacté, c'est le secteur de l'éducation. C'est-à-dire l'idée de l'enseignant qui a quelque part ses zones de connaissance, ses coins à champignons, et qui les délivre à des étudiants ébahis. C'est-à-dire, ben non, aujourd'hui c'est fini, les étudiants ont accès aux mêmes coins de champignons que le professeur, même plus, parce que comme ils bossent le soir et la nuit, ben, ils vont explorer un peu plus. Moi-même j'enseigne, je le vois bien, hein, j'en ai 100 devant moi, ce qui est beaucoup, puis ils sont en train de taper sur l'ordinateur, et de temps en temps, j'ai un moment de grâce, quand il y en a qui lève la main, qui dit « Monsieur, excusez-moi, mais ce que vous racontez, c'est faux, je vois l'inverse sur Internet. » Je lui dis « Tiens, c'est génial, il n'était pas en train d'écrire à sa petite copine, il était en train de suivre ce que je suis en train de faire. » Ça, c'est vraiment des moments de grâce extraordinairement jouissifs. Donc, on baigne dans une information, on baigne tant à tas de choses. Ça veut dire des choses absolument passionnantes. Hein. Il existe un site web fait par Google, où Google est capable de prédire une épidémie de grippe avec 2 jours d'avance. Pourquoi ? Parce que quand il y a une épidémie de grippe, il y a toujours un front de gens qui l'ont avant les autres, et Google voit des mots-clés émerger, hein, mal de tête, front chaud, enfin je ne connais pas. Eh bien Google a vérifié, Google est capable aujourd'hui de prédire une épidémie de grippe avec 2 jours d'avance. Alors ça, si ce n'est pas une rupture, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant. Ben, deuxième grande rupture, nous sommes passés d'un monde d'innovation fermée à un monde d'innovation ouvert, ou plutôt du fermé à l'ouvert. Avant, j'avais un brevet, je le protégeais, et puis personne ne l'a piqué, logique de rareté. Aujourd'hui, ben on l'a bien dit, les scientifiques partagent, vont dans des wikis, et l'idée, c'est on fait circuler l'information et le savoir, et on le partage pour créer ensemble des formes nouvelles. Troisième grande rupture, alors celle-là, elle est d'une violence, surtout dans un système très hiérarchisé, ben oui. Avant, il y avait la hiérarchie, c'était simple, hein, et puis il y avait Dieu, le chef, papa, maman, le professeur, l'enseignant, l'expert, le patron, tout ce que vous voudrez, et la parole était descendante. Et la parole horizontale, ben, c'était pas terrible. Hein, moi. Mes parents étaient de la génération où les enfants ne parlaient pas à table. Bon, alors je sais, il y en a toujours pour me dire qu'est-ce que c'était le bon temps, mais ça c'est un autre point de détail. Mais même regardez un gamin aujourd'hui qui arrive en classe de terminale en France, quand est-ce que dans sa scolarité, il a été jugé sur un travail collaboratif ? Le TPE en classe de première, et à part ça, c'est tout. C'est pas vrai que c'est tout. En fait, je me suis aperçu en creusant que ça dépend des enseignants. Il y a des enseignants qui sont des enseignants un peu dynamiques, innovateurs, qui me disent à demi-mot, bon, ok, il y a l'éducation nationale, mais moi j'estime que c'est important de faire travailler les étudiants en mode collaboratif, et Internet, c'est génial, parce que ça permet justement de les faire travailler en mode collaboratif. Alors ça, c'est effectivement quelque chose de très violent. D'où vient la confiance ? Internet pose aujourd'hui le problème de la confiance. Et nous, surtout dans notre brave pays, ben, on a tendance à externaliser la confiance. J'entendais Madame Marie Derain, bon, c'est très bien ce qu'elle fait et tout. Enfin, quand vous analysez, c'est la commission, c'est les experts, etc. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette relation verticale, des gens qui savent, qui sont là pour imposer à des gens qui, manifestement, comme les paysans de M. le curé, ne sont pas suffisamment intelligents pour se prendre en main eux-mêmes. Ça, ce modèle-là, il est fini. Je veux dire, aux États-Unis, c'est le contrôle parental, ce n'est pas l'État à contrôler. Et moi, je vais même un cran plus loin. Internet, dans sa construction, n'a aucune intelligence dans le réseau et l'intelligence est aux extrémités. Aujourd'hui, un gamin qui s'intéresse au conflit du Golfe, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend CNN, quand on lui a appris
justement à croiser les informations, bah, il va sur CNN, il va sur Al Jazeera, il va sur des forums de discussion, il va dans Wikipédia, et puis il croise tout ça, il se fait sa propre image, et le rôle de l'expert, du pédagogue, etc., n'est plus de lui dire c'est ça que tu dois lire, c'est ça que tu dois faire, mais au contraire, d'être dans cet océan d'informations, d'être un navigateur qui va le guider et l'aider à se promener dans cette avalanche, effectivement, d'informations et de savoirs qui viennent partout. Mais ça, c'est fondamental. Prenez par exemple eBay. Je veux dire, eBay n'était pas un site de vente aux enchères quand il est né. Il y avait des sites de vente aux enchères. eBay était une communauté qui, par le système de notation, a fait émerger la confiance à l'intérieur même de la communauté. Ce n'est pas une autorité externe qui vous dit « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Et donc nos gamins aujourd'hui, ben, c'est ça, quoi. D'un côté, ils voient bien les modèles communautaires, où il y a de la confiance qui règne. Je veux dire, à qui fait-on confiance aujourd'hui ? À Google, à Facebook ? Non. Aux États ? Non. Aux entreprises ? Non. La communauté, c'est aujourd'hui le dernier refuge de la confiance. Et les enfants, les gamins, aujourd'hui, ils l'ont parfaitement compris, ça. C'est là où ils ont confiance. Et effectivement, ça frotte quand des fois, il y a une autorité externe qui se mêle de ce qui se passe en interne. Ça frotte et ça frotte bien. Bon, alors effectivement, je ne vais pas trop développer, mais on passe d'un monde d'économie de stock à un monde d'économie de flux. Je suis riche parce que c'est Picsou, hein, j'ai mon coffre-fort, et je crée de la rareté que je monnaie très cher. Dans une économie de flux, je suis riche parce que je fais de la transaction. Je veux dire, Google en est un parfait exemple. Si Google disait à partir de demain, les mecs, moi, mon moteur de recherche, c'est ma recherche, donc vous le payez, ben, Google s'effondrerait, il n'y aura plus du tout de transactions. Et c'est ça qui donne l'illusion de la gratuité. Il n'y a pas de gratuité, mais c'est ça qui fait que nos enfants, ils ont parfaitement compris aussi cette économie de flux et cette économie transactionnelle. Ils passent leur temps à faire des transactions. Et toute l'idée de dire « je bloque les transactions, je mets des verrous, etc. », pour eux, moi je les vois bien, ils disent « mais à quoi ça sert quoi ?» Le MP3, bon, j'étais expert Adopi, encore une haute autorité, bon, ils m'ont nommé expert parce que j'étais contre de manière intelligente, mais je veux dire, un gamin de 8 ans, un jour, bah, le MP3, mais je le vole pas, puisque quand j'envoie à des copains, je l'ai toujours chez moi. Bah, il a pas tort, hein. Je veux dire, on est dans une économie immatérielle, une économie de partage et de flux. Et puis ça, c'est quand même extrêmement disruptif. Hein. Avant, il n'y avait que l'expert, il n'y avait que le designer, il n'y avait que les sachants qui avaient le droit de créer des formes. Eh bien, aujourd'hui, non. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, et nous n'en sommes qu'au début, c'est que maintenant, la foule peut commencer à créer des formes. Les gens peuvent faire du co-design, du crowdsourcing, du crowdfunding, et on peut créer des formes de manière collective. Alors voilà ce que je vous suggère. Hein. Internet, c'est effectivement l'alphabet de l'intelligence collective. Alors pourquoi une intelligence collective, ce n'est pas une somme d'intelligence individuelle ? Moi, j'ai une petite illustration très simple. Hein. J'ai vu, dans des grandes entreprises que je ne nommerai pas, mais ça marche à peu près pour toutes, des comités de direction faits de managers tous individuellement hyper brillants, mais des gens avec lesquels c'est facilement de discuter, se mettre à devenir collectivement idiots. Pas prendre de décision, se faire des crocs en jambes, contrer l'autre, etc. Alors ça, mettez 10 personnes individuellement intelligentes dans une même pièce, ça peut vous faire un collectif idiot. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'Internet met en valeur, c'est l'inverse. On voit des gens qui ne sont pas forcément individuellement des flèches se mettre à devenir collectivement intelligents. Prenez Wikipédia, il n'y a aucun prix Nobel qui est écrit dans Wikipédia. Et pourtant, c'est un ensemble de gens qui, collectivement, arrivent à faire ça. Mais vous savez, c'est le modèle de l'Internet. Internet, il n'y a pas de chef de projet. Ce sont des passionnés qui étaient des chercheurs. Hein. Alors, on aime bien trouver les grands noms de l'Internet, mais ce sont des milliers de chercheurs qui étaient mus par une même idée. Peut-on reconstruire un monde autour du réseau ? Et qui se sont mis, dès le début, dans un mode de travail collaboratif. L'invention du web, d'ailleurs, hein. Tim Berners-Lee. Le problème que Tim Berners-Lee se posait était le suivant. Quand il était à la direction informatique du CERN à Genève, quels outils je peux offrir à mes chercheurs qui sont répartis dans le monde entier pour les aider à mieux travailler. Vous voyez, le web est né sur une question de travail collaboratif, en plus à l'échelle planétaire. Et Tim Berners-Lee dit « Internet, c'est génial, mais il lui manque quelque chose, il invente le web ». Mais à la limite, si j'avais qu'une seule illustration de l'intelligence collective, c'est pas du tout dans Internet que je la trouverais, c'est ce qui s'est passé en 2003. En 2003, donc, championnat du monde d'athlétisme, 4x100 mètres féminins, deux équipes féminines, favorites, les américaines et les françaises. Et un consultant avait fait une étude très intéressante. Les coureuses américaines étaient individuellement 7% plus rapides que les coureuses françaises. Donc vous avez quatre femmes dans un couloir, quatre femmes dans le couloir d'à côté, la première court 7% plus rapide, etc. Vous avez compris. C'est les françaises qui ont gagné. Pourquoi ?
manière analytique de le dire, le passage du témoin était plus efficace. Manière synthétique de le dire, c'est ce qui s'est passé entre les deux Serges. Ce qui fait gagner la course, c'est pas la vitesse des coureurs, c'est la vitesse du bâton. Et on voit que la vitesse du bâton n'est pas la somme de la vitesse des coureurs. Et donc, si vous commencez à vous dire un collectif, une entreprise, une association, une administration, un État, ben, finalement, ce qui est intéressant, c'est pas la vitesse individuelle des gens, l'intelligence individuelle des gens, c'est le bâton. Et si le bâton, c'était par exemple cette information qui, encore une fois, permet de fluidifier et de faire en sorte que c'est toute une société qui, ayant accès à l'information, y prenant sa part, construit des formes nouvelles. Alors, des formes nouvelles du crowdsourcing, bon, il y en a plein, en essayant de relier les enfants, je vous suggérais celle-là. Le Lego, hein, le Lego, l'enfance, etc. Bon. Ça, c'est un site qui s'appelle Lego Cuzo. Comment ça marche, ce site, Lego Cuzo? N'importe qui peut aller sur le site, proposer un nouveau Lego, et la communauté vote. Et si la personne a 10 000 votes, le comité de direction de Lego l'étudie, et si ça lui plaît, ça devient un produit officiel de Lego, et le créateur est rémunéré 1% sur les ventes. N'importe qui peut devenir aujourd'hui créateur. Là, ce que vous avez, ce sont les 4 premières boîtes de Lego qui ont été faites par un individu avec des opinions positives de la foule. Mais je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça, c'est quand même assez fascinant. Hein. C'est une enzyme très importante qui résistait aux chercheurs du monde entier. Vous savez, une enzyme, on a le modèle en 2 dimensions à plat, ça c'est facile à avoir, mais ça sert à rien. Ce qu'il faut pour faire un médicament, il faut avoir son modèle en 3 dimensions. Ça faisait 15 ans que les plus grands biologistes du monde entier séchaient sur cette enzyme. Un jour, le MIT a lancé un jeu, ça s'appelle Foldit, hein, F-O-L-D.it, un jeu en réseau où les joueurs co-construisaient l'enzyme avec des systèmes de points. La formule a été trouvée en 10 jours. Vous avez 15 ans d'experts qui n'aboutissent à rien, 10 jours de joueurs en réseau qui aboutissent à la formule. Et ce qui est intéressant, bien sûr, elle a été validée par des experts, on a besoin des experts. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'article scientifique qui a annoncé la découverte était co-signé des experts et des joueurs en réseau. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Et dans le domaine de l'éducation, bon, il se trouve que je suis fan de l'Australie qui est assez en pointe. Bon, eh bien, depuis 2007, il y a un jeu en Australie qui s'appelle Murder Under the Microscope, Meurtre sous le microscope, où ce sont des milliers d'étudiants du monde entier qui viennent co-construire, c'est par classe, hein, qui viennent résoudre une énigme, qui jouent les uns avec les autres pour essayer de résoudre une énigme. Mais moi, c'est surtout ça qui me fascine. Bon, c'est un machin qui s'appelle Second Life, hein, vous avez peut-être entendu parler. Eh bien, il y a eu un mouvement qui s'appelait Schoolaborate, qui faisait créer à des étudiants des formes dans Second Life. Et ça, c'est pour moi la plus belle, Daijematsu. Ce sont des étudiants japonais qui, ensemble, ont recréé dans Second Life une fête médiévale japonaise. Vraiment recréée. Hein. Il fallait prendre les dimensions du temple d'or, il fallait le faire à l'identique, il fallait chercher des photos des kimonos de l'époque, il fallait donc créer les kimonos, il fallait trouver les mouvements, la manière dont la fête se faisait. Donc c'est toute une classe, il devait être une 20aine d'étudiants japonais. Et ce qui est intéressant, c'est que le jour où tout était prêt, dans Second Life, ils ont invité leurs copains du monde entier à venir assister à la cérémonie. Vous imaginez le plaisir de co-créer dans un environnement virtuel, un événement du Moyen-Âge japonais, et ça a eu un succès extraordinaire. Mais pour moi, comme je vous disais, la plus belle démonstration, la plus grande rupture et démonstration de l'intelligence collective, c'est Wikipédia. Alors je vous rassure, hein, Wikipédia a des erreurs. En 2009, la revue Nature a comparé le taux d'erreur dans Wikipédia et dans l'Encyclopédia Britannica, qui est l'équivalent anglais de l'Universalis, eh bien, c'est exactement le même taux d'erreur. Donc oui, il y a des erreurs, mais il n'y en a pas plus que dans les encyclopédies. De toute façon, avec Internet, on se rend compte qu'à part « je nais, je vis, je meurs », il n'y a pas beaucoup de vérités qui ne sont pas contextuelles. Hein. Vous savez très bien que suivant que l'encyclopédie française ou anglaise, ce n'est pas le même médecin qui a trouvé le virus du sida. Des proches le disaient encore mieux, ils disaient « l'ennemi est con » parce qu'il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui. Quoi. Bon, oui, effectivement. Donc tout est relatif. Bon, Internet fait ça. Donc oui, il y a des erreurs. Mais ceci dit, quand il y a une erreur dans Wikipédia, c'est corrigé. Vous n'avez pas besoin d'attendre la prochaine version, payer les addendas, etc. D'ailleurs, oui, il y a des actes de sabotage. On connaît le chiffre. Un acte de sabotage est éliminé, la version d'avant est rétablie, en 3 minutes. Voilà. Donc ça, en moyenne. Hein. Donc vous voyez, si on fait du sabotage, 3 minutes après, l'article... Bon. Alors, il y a plein d'innovations dans Wikipédia. Entre autres deux, ben, vous avez l'onglet historique, c'est-à-dire que vous pouvez suivre tout l'historique de chaque article. Vous imaginez l'encyclopédie papier où vous voyez tout le processus de fabrication. Et puis surtout, un autre onglet que j'adore, qui est l'onglet discussion, parce que c'est là où on s'engueule.
Alors, il y en a, j'étais à Manosque, allez voir la discussion sur l'onglet Manosque, vous allez voir qu'il y en a deux qui s'étripent, mais alors vraiment bien, quoi. Pourquoi on fait ça ? Comme dans Wikipédia, on a compris qu'il n'y avait pas de vérité universelle, l'article, on n'y touche pas, mais on se fait un espace où là, on a bien le droit de se friter. Et moi, je trouve que c'est magnifique, plutôt que la rigidité de l'expert ou du huis clos, où on fait une côte mal taillée, mais on ne sait pas ce que les experts se sont dit, c'est comme si vous pouviez voir tout le travail et tout l'affrontement des experts pour la rédaction de l'article. Mais ce n'est pas ça la plus belle innovation de Wikipédia. C'est que vous avez remarqué que pour chaque article, il y a une liste de langues à gauche. Par exemple, vous êtes sur Manosque, vous cliquez sur English, vous avez non pas la traduction de l'article, mais l'article sur Manosque dans le Wikipédia anglais. Oui, parce que des Wikipédia, il y en a en plusieurs langues. À votre avis, combien ? 287. La 13e en termes de nombre d'articles, c'est le catalan. La 29e, c'est le breton. Vous trouvez le corse aussi, mais vous trouvez le peul, le comanche, le cheyenne. Autrement dit, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les peuls, les comanches, les cheyennes, les bretons, les ouzbeks, les tadjiks, les tout ce que vous voudrez de langues dont certains n'avaient jamais entendu parler, ont leur propre encyclopédie dans leur propre langue, qui n'est pas une traduction d'une encyclopédie occidentale. Eh bien, nos gamins, ils vont vivre avec ça, et je pense que ça va révolutionner totalement le rapport au savoir, le rapport aux communautés, le rapport à plein de choses. Et ça, on ne voit pas encore ce que ça veut dire que cette révolution. Alors l'éducation, pour terminer, l'éducation 2.0, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est on fait comme avant, on s'en fout de l'outil, on fait comme avant, quoi. Non. L'éducation 2.0, voilà, c'est pour moi trois choses. Premièrement, du travail collaboratif. Faire travailler les gens ensemble pour leur apprendre à créer des formes. Deuxièmement, l'implication, ce que les anglo-saxons appellent le « user engagement ». Parce que ça, c'est important. Hein, je reçois de l'information, du savoir, et puis... Non. Et puis, troisièmement, surtout, du fun. Pour ça que j'ai créé une boîte avec quelqu'un qui fait des neurosciences sur faire des jeux où on se marre, mais qui nous permettent d'apprendre presque sans rencontre. Pas d'apprendre, en tout cas. Dans le couple intuition-rationalisation, le jeu permet de développer l'intuition. Charge au système éducatif de mettre la couche de rationalisation à laquelle je crois, mais sur des cerveaux qui auront été échauffés. Et finalement, quelle chance on a d'avoir Internet, hein, parce que, je veux dire, tout ça, ça serait pas possible si on n'avait pas ce machin qui nous permettait d'interconnecter. Je vous rappelle aujourd'hui, 40% de la planète est interconnectée. Et je terminerai en revenant en 1922, un autre homme qui m'a fasciné, Pierre Teilhard de Chardin. Et je vous rappelle qu'en 1922, Teilhard de Chardin disait « Il y a l'atmosphère qui nous permet de respirer, il y a la biosphère qui crée des chaînes alimentaires qui nous permettent de vivre, et il y a la noosphère qui sera la sphère interconnectée de toutes les idées. » Eh bien, aujourd'hui, ce que je dis, c'est que les gamins vont avoir la chance, ce sera peut-être la première génération qui sera née avec ça, avec l'idée d'intelligence collective, et qui va commencer à construire cette fameuse noosphère de Pierre Teilhard de Chardin. Merci. Voilà, merci à nos deux Serges. Je vous souhaite, c'est l'heure de l'apéro numérique, donc allez-y. Et puis des web dreams magnifiques, afin qu'on se retrouve demain, 8h50. Attention. Voilà, très bonne soirée à vous. À demain, merci.